Hello, my name is Linnea, and I heard that you have gotten many petitions with many name signatures to the parliament, and I wonder now, what do you do with it now? 2,5 millions de signatures rassemblées dans ces caisses, c'est une des pétitions les plus soutenues que le Parlement ait reçues. Ici, il s'agit d'ACTA, l'accord international anti-contrefaçon qui, selon les pétitionnaires, remettra en cause un Internet libre et ouvert. Car oui, tout citoyen ou résident de l'Union peut interpeller directement les eurodéputés en leur présentant une pétition à titre individuel ou en association avec d'autres personnes. Présentée sous forme de plainte ou de requête, elle peut porter sur des affaires privées ou d'intérêt public tant que le ou les pétitionnaires sont directement concernés. La pétition est alors envoyée par voie postale ou électronique. Première étape, le bureau du secrétaire de la commission des pétitions du Parlement européen. En 2011, nous avons reçu environ 1 500 pétitions de tous les pays d'Europe. Donc parmi ces 1 500, je pense que l'on était aux environs de 800 ou 900 pétitions, sinon plus, recevables. C'est-à-dire, quand une pétition est recevable, il entre dans le domaine de l'activité de l'Union. Toutes ces pétitions n'aboutissent en effet pas toujours. Faut-il encore que leur objet relève de l'un des domaines d'activité de l'Union? Ces domaines d'activité, ce sont l'environnement, les droits fondamentaux, le marché intérieur, la justice, le transport et tout ce qui touche les questions de liberté de la presse, liberté d'expression, etc. La question de recevabilité est étudiée par écrit. Mais dans certains cas d'urgence, comme c'est le cas pour ACTA, la procédure peut être accélérée, avec comme ici une réunion à huis clos des coordinateurs de la commission des pétitions. L'ufficio dei coordinatori ha dichiarato ammissibile la petizione presentata contro l'accordo ACTA. Car en effet, une fois que la pétition est déclarée recevable par la commission des pétitions, son avenir peut se décliner de trois façons. Elle est le plus souvent envoyée pour avis à la commission européenne qui mène une enquête préliminaire. Parfois, la commission des pétitions la transmet à une autre commission du Parlement spécialisée dans le domaine dont il est question, comme par exemple l'environnement, l'industrie ou l'économie. Ou enfin, dans des cas exceptionnels, la commission des pétitions mène elle-même son enquête et transmet un rapport complet qui sera voté en session plénière. Noi possiamo andare oltre quello che decide la commissione esecutiva, possiamo interpellare le autorità locali, possiamo proporre delle missioni investigative se l'oggetto della petizione lo richiede, possiamo anche fare una richiesta di risoluzione in aula perché tutto il Parlamento si pronunci e prenda una posizione. Le but de la commission des pétitions est simple, attirer l'attention sur un problème particulier et ouvrir un débat. Reste la question de l'impact, pas toujours simple à chiffrer. Sur les dossiers environnementaux, de nombreux succès ont été enregistrés, mais ce ne sont pas les seuls. En 2011, un camionneur italien a par exemple obtenu gain de cause après avoir été doublement imposé par les fiscs italiens et allemands. Il s'est vu restituer ce qui lui avait été demandé à tort.